Mais il y eut un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous n'en croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Préférer ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il va trouver Jean et lui dira: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise tous son ami. Jean répondit:
qui appartient à l'époux, c'est l'époux, l'ami de l'époux qui se tient et qui entend. L'époux demande grand joie à cause de la voix de l'époux aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage. Certifier que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas.